Invité à Paris pour assister au sommet pour la paix et de la crise libyenne, Denis Sassou Nguesso, via des réseaux maçonniques, avait demandé aux autorités françaises de mettre un coup d'accélérateur dans le dossier de l'opposant Guy Brice-Parfait Colella, mort par empoisonnement, alors qu'il était favori pour remporter l'élection présidentielle de mars 2021. La récente demande des autorités administratives françaises de procéder à l'inhumation du président UDH Yuki est le résultat d'un intense lobbying de la dictature congolaise à Paris. Rien ne sert de courir, les amis. La France est consciente et sait que cette figure politique de l'opposition congolaise est morte par empoisonnement. Mais seulement, pour des raisons d'intérêt supérieur, Macron s'est abstenu de dire la vérité à la famille de la victime. Si ce dernier était mort par Covid, comme l'avait annoncé le dictateur Sassou Nguesso, devant son parlement, aucune autopsie ne devrait être réalisée sur le décuvus. Guy Brice-Parfait Colella, une affaire, un crime qui sera écrit dans l'histoire du Congo.